Paix et joie, famille. Shalom à toi, bien-aimé frère. Shalom à toi, bien-aimé sœur. C'est une joie et un plaisir pour moi de vous retrouver ce matin. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, en cette première semaine du temps de carême, temps de grâce, en ce lundi début de semaine, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci ce matin. Merci parce que tu nous as gardés. Merci parce que tu nous as permis d'entrer dans ce temps de carême, de vivre ce temps de carême. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour cette grâce que tu nous fais. Merci pour le travail. Merci pour les études. Merci Seigneur pour nos familles. Merci pour la grâce et le privilège de te connaître. Merci pour ce privilège d'être dans ta présence ce matin, Seigneur. Alors aujourd'hui, nous voulons t'adorer. Nous voulons t'élever, t'exalter. Nous voulons te dire combien tu es grand, combien ton nom est saint, combien tu es le Dieu parfait, le Dieu qui nous appelle également à la perfection. Celui qui nous dit « Soyez parfaits comme votre Père est parfait ». Et ce temps de carême est une opportunité pour nous d'être parfaits, d'être saints comme notre Père. Alors nous allons adorer le Fils dans le Père et par l'Esprit. Nous allons lui rendre le culte qui lui est dû. Amen. Nous allons entrer dans le Saint des Saints par le sang de l'agneau, parce que c'est par le sang de Jésus que nous sommes dignes d'entrer dans la présence de Dieu. C'est par le sang de l'agneau que nous sommes dignes d'entrer dans la présence du Père, d'entrer dans le Saint des Saints. Amen. Alors nous allons profiter de cette occasion pour adorer le Fils dans le Père et par l'Esprit. Amen. Je
oui, Seigneur, ton nom est très saint. Le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout. C'est ce nom que nous voulons adorer ce matin. C'est ce nom que nous voulons élever ce matin. Élever dans nos vies, élever dans tous les compartiments de nos vies. Élever dans nos communautés. Nous voulons élever le nom de Jésus, ce nom très saint, ce nom parfait, ce nom excellent, ce nom glorieux. Car ton nom est glorieux, glorieux, Seigneur. Car ton nom est glorieux, glorieux. Car ton nom est glorieux, glorieux, Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera. Ton nom est glorieux, glorieux, Seigneur. Ton nom est plus grand, le nom de Jésus, car ton nom est plus grand. Il est plus grand, Seigneur. Alors nous allons rester dans cette atmosphère d'adoration et de contemplation durant toute cette journée. L'adoration nous permet d'être dans cette communion avec notre Dieu, de monter, d'entrer dans le Saint des Saints, de rester dans sa présence. Et c'est dans cette présence qu'il va nous révéler des choses sur nous, sur notre vie, sur notre pays, le Sénégal. C'est dans cette présence qu'il va nous parler, qu'il va parler à notre cœur. Alors Seigneur, parle-nous durant cette journée. Parle-nous dans ta présence. Parle-nous dans ton intimité, Seigneur. Que toute gloire soit rendue au Dieu que nous avons adoré, le Fils, le Père et l'Esprit Saint, qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde durant cette journée et qu'il nous accorde sa grâce en abondance. Amen.